Sevins. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser tout de suite à un autre jeu de la franchise Super Formation Soccer. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà fait le test sur le jeu Super Formation Soccer World Cup Data Final, il me semble. Et là, ce coup-ci, on va s'intéresser tout de suite à Super Formation Soccer 94, premier du nom. Alors j'ai aucune idée si c'était le premier ou le deuxième, je sais pas. Mais bon, une chose est sûre. Une fois de plus, on va s'intéresser de suite à ce petit match de foot, mais vraiment des familles. Bon, alors écoutez, je vais essayer de voir si je peux faire un petit test sur ce jeu. Alors attendez, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'équipes dans ce match. Attends. Ah mince, je voulais. Ah oui, en fait, ce jeu, c'est un petit peu l'inverse de celui qu'on a croisé l'autre fois. Il y a pas mal d'équipes qui manquent un petit peu à l'appel, c'est dommage. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va prendre, tiens, la sélection irlandaise. Et on va prendre. Ah, tiens, on va reprendre une nouvelle fois l'équipe des Pays-Bas. Ou la Hollande, ça dépend comment on l'appelle. Alors, le jeu, il ressemble un petit peu au précédent, sauf qu'il y a pas mal d'équipes qui manquent un petit peu à l'appel. Là, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, comment dirais-je, il y avait l'équipe de Corée du Sud, du Pays de Galles, de la France. Et là, visiblement, elles n'y sont pas, c'est dommage. Mais bon. Pas grave, on se contentera. Allez, c'est reparti pour ce petit test. Alors, le jeu se nomme Super Formation Soccer 94. Alors, je suis donc l'équipe de l'Irlande qui joue en vert. Oh, attention! Face à eux, l'équipe de la sélection hollandaise qu'on a déjà vu à l'œuvre dans le jeu, dans le précédent jeu. Ils avaient perdu 2-0 face à la Belgique. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans irlandais. Oh là, attention, attention. Ah zut, je voulais lancer un petit boulet de canon, mais j'ai l'impression que je me suis mal. Mais quasiment, mais mal. mal compris. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Même si je galère, c'est pas grave. Bon, alors, je sais pas, c'est la première fois que je teste ce jeu. Et étant donné que c'est la première fois que je fais des tests, que je fais un contrôle sur ce jeu. Alors, les contrôles sont bien, mais un petit peu, mais hasardeux. Ah, mince! Le jeu, franchement, il est bien, franchement, il est bien, mais il est un petit peu. Je sais pas, c'est loin d'être le plus suffisant, mais bon, c'est pas grave. Ok, attends, on va voir si on peut. Attends, est-ce que je peux faire une passe? Ah, d'accord, je peux faire une passe à l'envolée, mais ce qui ne donnera rien. Et. Attention, 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 attention! Ah, sortie de but. Bon, très bien. Ok. Bon, mais non, mis à part ça, le jeu, c'est comme pour le précédent. Il y a un petit peu les mêmes graphismes. Mince, ah zut, je l'ai perdu, ah zut, ah mince, c'est le but, ah là là, ah bah merde, ah j'ai fait de la merde, ah j'ai fait de la merde, ah excusez-moi, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, franchement je suis désolé, j'ai fait vraiment de la grosse merde, je m'en excuse. On va pas abandonner, on va pas abandonner, on ne va pas abandonner. Là c'est Wallace qui passe à travers la défense hollandaise. Bon, il peut espérer marquer celui-là. Il peut espérer marquer s'il y arrive. Attention. Est-ce que. Oui, j'ai réussi! Incroyable! Oh là 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 là! Égalisation! Oh là là! Et c'est la première fois que je marque un but dans ce jeu. Ok. Ok, quelque chose me dit que ce jeu va être la méga classe. Et c'est justement la méga classe. Oh mince! Aïe aïe aïe. Ok. Je me suis. J'ai un petit peu trop abusé de ma force, je m'en excuse. Nouvelle faute du côté irlandaise. Ce qui donnera un coup franc pour les Néo-Zélandais. J'allais dire les Néo-Zélandais, alors que c'est pas du tout les Néo-Zélandais, mais plutôt les Hollandais. D'un autre format, il me semble. Il me semble, il me semble, il me semble. S'il le faut, j'essaierai de voir si je peux tester certains jeux. Ou sinon, j'en testerai pas, je sais pas. Je vous promets rien. Attention, oh là, attention, parce que là pour l'instant les Hollandais s'approchent très dangereusement
des lignes. Oh, attention! Et c'est et les Hollandais passent devant! Très bien! Très bien! Bon, ok. Je sens qu'on va. On va pas s'emmerder dans ce jeu. On va pas s'emmerder dans ce jeu. Bon, c'est pas là, c'est pas là. À la T! Oh là là! Bon, pas grave. C'est pas grave. Allez, attends, on va voir si on peut se faire une passe. Bon. Sinon le jeu est bien, mais bon, ça, il faut savoir bien le maîtriser. Hein. C'est pour ça pourquoi dans le test précédent sur Super Formation Soccer World Cup Data... Attention! Et voilà, et un autre but! C'est pour ça pourquoi le jeu est a beau être pas évident sur les bords. Et c'est pour ça que dans les autres précédents tests, j'avais laissé l'IA jouer à ma place parce que c'était loin d'être meilleur. Hein. Parce que les contrôles étaient loin d'être meilleurs. C'est ça ce que je voulais dire. Ok, j'ai... Oh non, joli! Joli, attendez, c'est pas fini. Allez, je vais voir si j'arrive à... Allez! Oui, j'ai réussi! Voilà, et deuxième but irlandais! Voilà, mesdames et messieurs! Le deuxième but irlandais! Ah, et ce but a été tiré par le numéro 8. Alors, je n'ai aucune idée qui c'est. Bon, étant donné que... Bon, qu'il y a certains joueurs irlandais qui étaient connus à l'époque, je pense que ça doit être Roy Keane. Allez, on n'a qu'à dire que c'est Roy Keane qui a marqué, voilà. Allez, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, avec un peu de chance, je peux encore égaliser. Si bien sûr la chance est de mon côté. Mais non, passe pas par derrière, y a rien derrière. Oh là là, ok, c'était une connerie de faire des passes. Hein. Je m'en excuse. Voilà. Bon, écoutez, on va garder le ballon jusqu'à ce que mes joueurs montent. J'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Allez. Voilà. Attends, on va les faire tourner en boulique. Boulico! Eh non, 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 non! Ok. J'ai trop tardé, j'ai trop tardé, j'ai trop tardé. Je m'en excuse. Attends. Mais ça, zut, 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 on s'est mal compris. 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 Oula! Attention! Oh là 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 là! Ok, quelque chose me dit que ce jeu, franchement, il va pas prendre la tête, il va juste me mener la vie dure. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave si on galère, on va pas non plus désespérer. Comme je viens de le dire encore une fois, si je perds, je perdrai avec honneur. Oui, mesdames et messieurs. Allez. Allez, on continue. Allez. Mais pas par là! Mais pourquoi t'as tiré par là? Mais non! Oh, quel con! Mais... Oh là là! Oh putain, j'ai... Oh, j'ai mal géré mon tir. Oh putain! Oh là là! Mais quel connard! Excusez-moi, je me suis... Là, je me suis comporté comme un connard. Je m'en excuse. Attendez. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Oh là là, putain! Ce jeu, bon, apparemment, ce jeu, il a tendance à être difficile. Même Rudy Dupraz, il galère pas aussi bien que ça. Il casse lui d'ailleurs. Alors attends, concentration, concentration! Mais non, mais pas par là! Mais mec, stop! Eh les mecs, un peu de sérieux, s'il vous plaît! Oh là là! Oh là là, c'est pas vrai. Bon, ok. Bon, je galère. Mais bon, une chose est sûre, le match est passionnant. Donc on s'approche à quelques minutes de la fin de ce match entre l'Irlande et les Pays-Bas. Et les Irlandais qui, farouches comme tout, ne vont pas se laisser! Non! Pas transversal! Non! Poteau! Oh non! Putain de poteau de merde! Oh non! Non! Oh, c'est pas juste! Ah, je voulais faire une tête et comme par hasard, ça a heurté le poteau de la part transversale! Oh, mais putain!
Oh non, c'est pas juste. Ah non, là, franchement, je dis, c'est pas juste. Franchement, c'est pas juste. Comme je dis, si bien le petit Calimero, c'est vraiment pas juste. Bon, bon, écoutez, c'est quoi? On va. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va accepter la défaite, aussi cruelle et amère soit-elle. Et peu importe si. Et peu importe si le défi était dur, au moins j'ai relevé le défi avec du piquant. Voilà. Allez, dernière chance, allez. Un petit but pour sauver l'honneur et pour sauver le moral. Allez. Ouais, c'est. Non! Et que c'est un corner. Ça sera le dernier avant la fin de ce match. Oh putain. C'est vraiment un match palpitant à la Olive et Tom. Dédicace aux fans de la série Captain Tsubasa ou Olive et Tom. Je sais pas comment on l'appelle. Eh non, eh non. Et comme par hasard, ça ne donnera rien. Oh là, oh là. Et voilà! Et c'est terminé! Eh ben, victoire! Belle victoire donc des Hollandais. Bah franchement, bah GG, il méritait vraiment la victoire après une déculottée face à la Belgique, face à des Irlandais qui ont tout donné. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai pas, on l'a pas, j'ai pas. Les Irlandais n'ont pas à rougir de cette défaite et moi non plus d'ailleurs. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai donné le maximum de moi-même. Mais bon, comme on dit, j'étais pas dans mon environnement. Mais bon, au moins j'ai tout donné dans ce jeu. J'ai tout donné dans ce match, j'ai tout donné dans ce jeu. Voilà. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc Super Formation Soccer 94 sur Super NES, un jeu tiré de justement de la série de la franchise Super Formation. Bon, sorti en 1994 sur Super NES ou Super Nintendo, ça dépend comment on l'appelle, et édité par Human. Un jeu de foot assez bien, mais bon, il faut savoir bien le gérer. Il faut bien savoir le gérer, quoi. Bref, un jeu à tester une fois et après libre à vous de penser ce que vous pensez, hein. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Civi comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce